Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Émission du vendredi 10 juillet 2015. Les marchés sont en fort rebond. La journée ressemble beaucoup ailleurs. C'est juste qu'aujourd'hui, le rebond semble se maintenir davantage. Si on regarde nos graphiques intra-séances, hier sur Nasdaq, on avait dégonflé un peu plus rapidement. À 11h30, on était ici. Là, on est comme dans le rebond en ce moment. C'est juste qu'en plus, le rebond est allé plus haut que le sommet de ce matin. Pas sur le Dow, par contre. Pas sur le S&P 500. Donc, pour le moment, c'est difficile à savoir. Aujourd'hui, le rebond s'explique en partie par la Chine, mais surtout par la Grèce. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire sur le marché là, pour l'instant. On va regarder tout ça ensemble. Donc, on va commencer par ouvrir la barre de questions parce qu'hier, il y a eu un petit problème avec les questions qui restaient. Donc, je suis désolé. Vous le savez, hein, je veux des questions précises là, avec une date si vous l'avez acheté. Puis, si vous avez pris des profits, la journée que vous les avez pris, puis idéalement au prix. Des questions achat, si ou achat ça. Là, je pense pas que c'est une bonne journée pour acheter des titres aujourd'hui, comme ce l'était pas hier. Mais on va regarder ça ensemble. Donc, la barre va s'ouvrir dans quelques instants. Puis la deuxième partie de l'émission, c'est à ça qu'on va répondre. Donc, on commence avec le dollar américain qui est en baisse, même s'il rebondit, parce qu'on va fort probablement avoir une entente en Grèce. Donc, c'est l'euro qui est en hausse. Surtout aujourd'hui, le pound est en légère hausse aussi. Le dollar canadien, on est stable. On est revenu tester notre creux de ce matin avant de rebondir. Pour le moment, donc, on est à peu près à 78 sous le yen. On est en bonne baisse. La bourse, j'ai pas les cotes. OK, la bourse du Nikkei, c'est la seule marché qui est en baisse. On perdait 0,4%. En Chine, Hong Kong, 2%, mais c'est vraiment Shanghai, un autre 4,5%. Hier, on avait fait presque 6%, donc ça veut dire qu'on est rendu en haut de 10% en deux jours de rebond. Donc, les mesures qui ont été annoncées hier, là, que les investisseurs qui détiennent plus que 5% doivent conserver leur action, ça a encouragé les investisseurs à continuer à acheter. Puis, les régulateurs boursiers ont demandé aux compagnies de leur fournir un plan pour stabiliser leur action. Comme exemple, qu'ils prennent pour stabiliser l'action, c'est faire des rachats d'actions ou offrir des plans de participation d'actions à leurs employés, ce qui va permettre aux employés d'acheter des actions à toutes les semaines. Alors, ça devrait être un peu plus... ça devrait aider à stabiliser la bourse. Donc, pour le moment, on est stable. La grande question, c'est plus pendant combien de temps on va être stable.
Puis, qu'est-ce qui va arriver aussi quand quand ces mesures-là vont arrêter? On sait que la plus grosse mesure, c'est pour 6 mois. C'est les investisseurs qui détiennent plus que 5 %. Ils peuvent pas vendre pendant 6 mois. Mais ça veut... L'autre question aussi qu'on va savoir la semaine prochaine, mardi soir, donc mercredi matin, chez nous, c'est si la chute à la bourse se reflète dans l'économie réelle. On va avoir les données du PIB, de la production industrielle puis des ventes au détail mardi soir à l'heure de New York. Donc, mercredi matin, on va avoir ces données-là au Canada pour notre show de 9h15 là, de mercredi. Ça va être important de voir donc s'il y a une relation entre la croissance en Chine puis la bourse qui est en chute libre depuis à peu près la mi-juin. Du côté de l'Europe, Athènes a fourni son plan de réforme hier après la fermeture des marchés américains en reprenant la majeure partie des propositions des créanciers d'avant le référendum, donc là, 2 semaines, en échange d'un nouveau plan d'aide de 53 milliards d'euros. Donc, la seule différence, c'est qu'avant, les plans de réforme, c'était pour recevoir la troisième tranche d'aide du deuxième plan, donc une tranche d'aide de 7 milliards. Maintenant, en échange de ces réformes-là, ils en demandent 53 milliards. C'est un petit peu ça, la seule différence. C'est la première fois aussi où on a quand même beaucoup de points précis sur les plans de réforme. Ils vont accepter d'unifier la taxe de vente à 23 %, sauf pour les produits de base comme l'alimentation. Ils vont augmenter les impôts corporatifs de 26 à 28 %. Ils vont supprimer les avantages fiscaux pour les îles. Les îles avaient des avantages fiscaux de l'ordre de 30 %. Ça va être arrêté. On sait que beaucoup de l'économie grecque, c'est le tourisme qui vont dans les îles. Bon, mais les touristes, ils vont aider à renflouer l'économie grecque. Après ça, on a augmentation de l'âge de la retraite à 67 ou à 62 ans avec 40 ans d'années de travail. Ça, c'est d'ici 2022 graduellement. On va avoir une diminution des pensions. Ça, c'était important. Puis les créanciers vont voter dimanche sur les propositions. Le Parlement grec aujourd'hui. Mais dans les dernières rumeurs, là, des dernières heures, ils disent que le plan pourrait même être accepté aujourd'hui de façon non officielle avec un vote dimanche. En Angleterre, on est en hausse de 1,4 %, en Allemagne 2,4 %, puis en France 3,2 %. Je n'ai pas le graphique du FTSE en ce moment. Bon, on peut aller voir EWU en fin de compte, là, qui est le iShare des United Kingdom. Là, on voit que c'est un rebond. On avait chuté, c'est un rebond. On est à la résistance. Comme on est à la résistance sur les marchés américains. Donc, on le voit bien avec Nasdaq, c'est un rebond. On pourrait rebondir encore. Sur le Dow, on est à la résistance. Puis sur le S&P 500, c'est la même chose. C'est pour ça que je dis, en fin de compte, que c'est difficile d'acheter aujourd'hui. Même si le plan il est accepté lundi, est-ce qu'en fin de compte, on a gagné les points, les points pour nous réajuster par rapport au plan de réforme qui va être accepté lundi. Là, il n'y a pas vraiment de raison pour l'Europe maintenant de refuser ça. La seule différence, c'est qu'au lieu de l'avoir accepté il y a 2 semaines par les Grecs, bien, ça va être accepté 2 semaines plus tard. Mais je pense pas que l'Europe va jouer les gros bras en disant « Vous auriez dû l'accepter hier. » Je pense que c'est positif pour tout le monde qu'il y ait une entente, que la Grèce ne parte pas de la zone euro, donc qu'on montre que la zone euro est unifiée puis qu'il n'y a pas un autre pays qui peut partir. Parce que le plus grand risque, si la Grèce parte, c'est qu'il y en ait un autre après qui parte, puis un autre, puis un autre. Puis là, ça va affaiblir la zone euro. C'est ce que personne veut autour de la zone euro, qu'il y ait un affaiblissement de son modèle d'affaires. Pas beaucoup de nouvelles aux États-Unis. Là, on a Gannett qui est en rebond. On sait qu'en fin de compte, toute l'historique de Gannett est passée dans une nouvelle compagnie qui s'appelle Targa. Là. Mais ça, c'est Carl Icahn qui a dit qu'il avait augmenté sa participation à 6,5 %. On a Facebook qui est en pourparlers avec les producteurs, les labels de musique là, pour une entente de licence de vidéo. Je reviens là-dessus après la pause. Donc, pour revenir à Facebook, donc, ils sont en train de signer une entente là, pour que pour que le monde puisse sûrement poster des vidéos, des vidéoclips de musique sur leur site. En ce moment, c'est des liens YouTube. Donc, Facebook n'a aucun intérêt à avoir des liens YouTube qui appartiennent à Google sur son site. Donc, ça va un petit peu là-dedans. Là, on sait que Facebook, depuis 2-3 semaines, ils travaillent beaucoup pour avoir leurs propres vidéos sur leur site. Donc, ça va en continuité. Chaque personne veut du contenu exclusif. Chaque compagnie, maintenant, si c'est des vidéos exclusives ou si c'est des vidéos, au moins les clics sont à eux, la publicité va à eux.
Puis donc, c'est la compagnie qui fait des revenus plutôt qu'engraisser Google. Donc, je pense que c'est tout à fait logique de, pour Facebook de faire ça. À midi, on a la présidente de la Fed, Janet Yellen, qui va discuter de la croissance américaine, de l'inflation puis du marché du travail au City Club de Cleveland. Donc, ça pourrait nous donner une indication sur une hausse ou pas de taux en septembre ou plus tard dans l'année. Peut-être que c'est le prochain événement qui pourrait faire monter les marchés ou les faire dégonfler, là. Donc, pour avoir plus de détails, vous pouvez rester connecté à l'émission avec Christian à 12h30, là, où il va vous en parler. Nous, en fin de compte, son allocution va commencer quand l'émission va se terminer. Puis, c'est pas mal ça qu'on a comme nouvelles. On a plus de nouvelles au Canada. Ça commence avec Bombardier hier, qui a chuté à un creux de 22 ans, donc depuis 1993. Après que la société a déclaré qu'elle réévalue la date de lancement pour ses jets d'affaires Global 7000 et 8000. L'année passée, elle avait promis que le Global 7000 allait arriver au début 2016, puis le Global 8000 en 2017. On sait qu'il avait arrêté la chaîne de production des Challenger, là, qui sont leurs avions privés moins luxueux. Le Global, lui, c'est supposé d'être le top of the top pour les avions privés au monde, pas juste pour Bombardier. Donc, encore une grosse chute. La capitalisation de Bombardier, je la regardais tantôt, là, il est rendu à peu près à 4,3 milliards. Puis c'est souvent ce qu'on dit que la division transport vaut. Ça veut dire que la division aéronautique vaudrait plus une scène. S'ils sont en train de retarder la date de lancement pour les jets d'affaires, il y a deux raisons. Soit qu'ils n'ont pas les capacités financières pour s'occuper de la C-Série puis des Globales en même temps, puis ils veulent se concentrer sur la C-Série. Ou soit que la demande est moins forte. Mais Bombardier ont toujours été assez forts au niveau des jets privés. Donc, c'est une mauvaise nouvelle. Ce matin, là, le titre est passé de 2 $ à un creux d'un 1,84 $, c'est un 15% de baisse. On a quand même presque tout repris. Est-ce que le creux, on vient de le voir? Ça, je ne peux pas vous le dire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez encore des actions de Bombardier, il n'y a aucun intérêt à les vendre en ce moment. Mais que acheter des actions de Bombardier, c'est risqué. Mais souvent, plus c'est risqué, plus que ça peut être payant, là. Donc, c'est un petit peu le risque qu'on peut prendre, là. Mais si vous voulez avoir un point d'entrée, disons, intra-séance, on pourrait dire 1,98 $, puis à 1,93 $ et 1,90 $, on sortirait. Ou sinon, vous vous dites, j'achète, puis si on va plus bas que le creux, de 1,85 $, je sors. On parle quand même d'une baisse de presque 7-8 %, là, facilement jusqu'au creux. Mais, puis si ça reteste le creux, puis ça rebondit, bien, ça peut être encore un bon point d'achat. Je pense que pour l'instant, dans les prochains jours, il pourrait avoir un rebond. Mais ici aussi, là, on pensait, après l'annonce là, de l'émission d'action qu'on avait vu le creux, puis cette semaine, on l'a brisé, ce creux-là. On a aussi une nouvelle sur Westport Innovation qui a été une étape importante dans le développement de sa technologie à injection directe haute pression qu'elle développe pour les moteurs lourds des camions commerciaux de Daimler Chrysler. Donc ici, on a un couloir haussier à court terme, mais on a une grosse résistance à 7,29 $. Donc il y a quand même un presque 15 à 20 % là, de potentiel sur un titre comme Westport. Par contre, si on l'achète ici, là, le point de sortie est aussi à peu près à 20 %. Puis en intra-séance, il n'est pas intéressant, mais il est peut-être plus intéressant sur Nasdaq. C'est WPTR sur Nasdaq. C'est quoi le symbole sur Nasdaq? WPRT? Ouais, Westport WPRT. Il est un petit peu plus beau en intra-séance. On aura un point d'entrée aux alentours de 4,90 $ avec un point de sortie vers les 4,75 $. Si on continue avec nos nouvelles, on a une nouvelle sur Cameco qui ont suspendu la livraison d'uranium par camion en raison des feux de forêt en Saskatchewan. On a Teck qui a tout dégonflé ici. Teck retarde le démarrage prévu d'une mine d'une mine de pétrole, là, donc d'un champ de pétrole de sable bitumineux de plusieurs milliards de dollars d'au moins 5 ans en raison de la baisse des prix. Puis aussi une nouvelle entre Teck et Royal Gold. Le Teck vend sa production de sa future mine au Chili à Royal Gold pour 525 millions en paiement initial, plus 15 % du prix mensuel moyen de l'or à chaque livraison. Royal Gold est en élan baissier, mais c'est pas mal tout le secteur aurifère qui est en baisse. On va regarder ça tantôt. Puis Teck, ben, il profite aucunement de cette annonce-là. Knight Therapeutics, lui, investit 500 millions dans un fonds de capital de risque qui s'appelle Bloom Burton Healthcare,
qui vont investir dans la dette et les titres des compagnies pharmaceutiques canadiennes émergentes qui sont négligées par les prêteurs traditionnels. On sait que les compagnies font souvent ça là, pour aider les plus petites entreprises dans leur secteur. BlackBerry l'a fait souvent dans la technologie. Ça permet aussi aux ces entreprises-là d'avoir peut-être accès à de l'information qu'ils n'auraient pas sans ça pour faire des acquisitions futures de start-up. Donc, je pense que c'est intéressant aussi pour le développement là, d'une grappe pharmaceutique, que ce soit au Québec ou au Canada. Imperial Metal, c'est une nouvelle assez intéressante ici. Il peut maintenant reprendre sa production à sa mine de cuivre et d'or en Colombie-Britannique qui a été fermée depuis un versement de résidus depuis août dernier. On s'en va à la pause, on finit là-dessus, on regarde les secteurs et on répond à vos questions. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. On vient à III, Imperial Metal. Donc, on se souvient qu'en août l'année passée, là, il y avait eu un gros versement. Le titre avait fortement chuté, mais c'est les activités à cette mine-là qui peuvent reprendre. Donc, le titre avait touché un bas à ce moment-là de 8 $. Quand on regarde ça, je pense qu'il pourrait revenir à 13,33 puis peut-être même à ses prix d'avant le versement. On sait juste qu'il reprenne, mais c'est un titre qui peut donc être intéressant à surveiller dans les prochaines semaines pour une poursuite du rebond. Pour le moment, il n'y a pas de point d'entrée, mais si on restait neutre encore une certaine période, qu'on était capable de redécoller pour avoir un point d'entrée vers les 10,20 $. Si on veut l'acheter en ce moment à 9,50 $, ben on sortirait vers les 8,75 $, donc on viserait à peu près un 7%. Puis si on retourne vers les 8,77 $, ben on pourrait avoir un point d'entrée en achetant le creux. Donc, c'est ce qu'on a. On avait aussi le rapport d'emploi au Canada. On a perdu 6 400 emplois. On attendait une perte de 5 000. On en avait quand même créé 59 000 au dernier mois, là. Donc, c'est une petite baisse comparée au dernier mois. On a des titres intéressants en intra-sens. On va regarder ça tout de suite. Puis après ça, on va aller... parce qu'en fin de compte, nos marchés boursiers, là, si on regarde ça, sont en train de refaire des nouveaux sommets sur les marchés. Donc, pour l'instant, ce qu'il faut dire, c'est que le rebond d'aujourd'hui se maintient. Ou si on va regarder les FNB baissiers, ce qu'on fait avec, là, mais là, c'est des nouveaux sommets sur le SPY, puis sur le DAR, puis Nasdaq qui continue. Dans les titres intéressants qu'on a aujourd'hui, Enzone, qui est un des plus beaux titres hier à la hausse, on a un point d'entrée ici, ici. Prochain point d'entrée, on l'aurait juste en haut de 1,82 $ sur Enzone. VGGL, on a eu une hausse ici, on a eu une deuxième hausse. Point d'entrée est environ ici. Le prochain point d'entrée, il va être juste en haut, 1,97 $, puis on pourrait sortir vers les 1,93 $, 1,90 $. C'est quand même déjà 8 sous ou 4 %, mais entre 1,93 $, 1,90 $. On a AMDA qui est intéressant depuis ce matin sur Nasdaq. Un point d'entrée, un deuxième, un troisième. Le troisième, il n'a rien donné. On est au même point que le troisième. Un titre aux alentours des 60 sous. Sur le prochain point d'entrée, c'était à 62. On sortirait à 59. DRRX, lui, ben moins intéressant parce qu'on a eu une hausse, une deuxième qui dégonfle. On a MSL à Toronto, Maris Lab. Il y a un point d'entrée ici, un deuxième dans ce coin-là. Pour l'instant, le troisième, c'est aux alentours des 3,12 $, 3,13 $ avec un point de sortie maximum à 3,08 $. Puis on pourrait aussi, on va effacer ces lignes-là, on pourrait sortir vers les 3,09 $ si on veut. Il y a aussi les FNB haussiers qui vont être intéressants si on continue à monter.
Puis si on regarde les FNB baisser, parce qu'on en a recommandé sur HXD, je pense que là, on a de la place, on peut le conserver. SQQQ, si ça va en dessous de ce support-là, nous, on l'avait recommandé ici. La question, en fin de compte, c'est que si ça décroche, puis qu'il y a une entente en Grèce, on pourrait avoir une poursuite du rebond sur les marchés, puis retourner, peut-être pas au creux, mais augmenter la perte. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on veut sortir tout de suite, diminuer notre potentiel de perte, puis attendre de voir là, qu'est-ce qui va se passer avec les indices la semaine prochaine. Le titre qui est le plus à risque, c'est TZA, parce que lui, on inverse. On l'avait recommandé dans la journée ici à 10,16 $. Là, on perd à peu près 5 % sur un titre comme ça. Lui, c'est probablement le premier qu'il faudrait sortir. Mais quand on regarde IWM, tantôt, il n'avait pas fait un nouveau sommet aujourd'hui. C'est ce qu'on pourrait attendre. SPXU, même chose que HXD. Là, on est dans la même situation. Pour ce qui est des titres, par contre, ça rebondit moins les titres qu'on a recommandés, nous, dans le choix des analystes. Mais si vous avez des titres qui rebondissent beaucoup, ou que vous vous demandez si vous devriez prendre un profit ou un deuxième profit, bien, ça peut valoir la peine des fois. Là, c'est mieux d'agir avant qu'après un autre rebond. Pour le moment, les marchés restent dans leur formation neutre, mais on semble vouloir rester au sommet. Est-ce qu'on va faire la même chose? Mardi, on avait fortement remonté. Mercredi, on avait rechuté. Là, pour le moment, ce n'est pas ce qui semble arriver. C'est difficile de savoir si la cote va être comme ça ou comme ça lundi. Donc, dans ce cas-là, on peut diminuer notre niveau de risque. On l'avait augmenté quand même sur les en vente à découvert. On pense toujours que le marché, il y a des bonnes chances d'aller plus bas que ce qu'on est allé. Mais ça se peut qu'il fasse un rebond avant. Donc, surveillez vos fonds négociés en bourse. Des fois, c'est mieux de les vendre avant que trop tard. Donc, c'est ce qu'on a. Si on vient voir donc nos indices, là, on va aller. On n'a pas de secteur haussier. Donc, à la baisse, il y a Conso de base qui continue à rebondir. Techno, lui, il n'est pas très loin de repasser neutre s'il nous faisait un nouveau haut aujourd'hui. Industrie, on efface la cote d'hier, mais ça reste quand même un bon couloir baissier. Puis toutes nos ressources sont en baisse. Là. Énergie, matériaux, or, je pense pas que c'est le moment d'ouvrir des positions. Il y a le secteur santé qui est un peu plus solide. Puis le secteur consommation discrétionnaire qui pourrait continuer à rebondir dans sa grosse formation neutre. On avait des titres solides dans ce secteur-là. Finance, c'est juste un rebond. Il n'y a pas de risque. De toute façon, finance, comme on le dit souvent, c'est mieux d'acheter les positions sur faiblesse qu'en hausse. Donc, si vous avez acheté des positions dans le creux dans les derniers jours, vous êtes en bonne position. Mine, c'est faible, mais c'est neutre. Donc, dans les ressources, c'est le secteur le plus solide en ce moment. Donc, si on va voir santé, qu'est-ce qui monte dans la santé? Bien, GUD. GUD, on peut le regarder pour du day trading. Là, il y a eu un point d'entrée ici, puis ici. Ça, c'est dans un graphique 5 minutes. Puis sinon, probablement que l'autre titre, c'est Valiant, qui est en élan aussi. Là. Donc, ça, c'est un gros titre qui avait à peine corrigé un des titres les plus performants à la bourse de Toronto. La seule question qu'il faut se poser avec un titre comme ça, c'est quoi son potentiel? C'est quand même difficile à évaluer pour un titre comme Valiant Pharma. Nobilis, NHC, on n'est pas très loin d'un nouveau décollage. Aussi, c'est un titre qui a été assez performant depuis décembre de l'année passée. On est dans une formation neutre depuis avril. Donc, si on brise les 9,35, ça va être un élan aussi. Catamaran, ça, c'est une offre d'achat. Extendicare est en bonne hausse aujourd'hui. Donc, la santé, c'est intéressant. Puis la consommation discrétionnaire, on a Entertainment Group, là, ça c'est donc dans les sites de casinos en ligne. On avait un rebond hier, on poursuit le rebond. Ça pourrait être un point d'entrée à 17,46. On sortira aux alentours des 16,35. Donc, on pourrait avoir une perte d'environ 6-7 %. Gildan, on retourne à la résistance. Même chose pour Dollarama, Cineplex aussi. Donc, on a quand même des titres qui sont solides du côté de la consommation discrétionnaire. Du côté du secteur de l'IFR, comme je vous ai dit, là, c'est plus de la baisse. Surtout si on a une entente en Grèce, ça se peut que l'or continue à baisser. Donc ça, ça ne sera pas positif. Puis dans l'énergie, ben, on n'a aucun rebond du pétrole. Là. Donc pour l'instant, il faut attendre toujours une stabilisation du pétrole puis du secteur avant d'ouvrir des positions dans l'énergie. On s'en va à la pause, puis on revient avec la dernière section pour vos questions.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Première question, j'ai acheté HOD à 11,01 $ le 8 juillet, donc voilà deux jours. Ben, on continue de le garder. Par contre, s'il décroche à 9,90 $, on sort de cette position-là ici. Donc, ouais, 9,85 $, 9,90 $, ça va quand même être 10% de perte. Achat TVIX à 10,12 $ ce matin, il est rendu à 9,39 $. En l'achetant ce matin à 10,12 $, c'est parce que vous pensiez donc que le marché il allait faire comme hier puis qu'il allait décoller. Votre point de sortie, ça serait 9 $. Dans ce cas-là, on parle aussi d'une perte de 10%. Vous auriez pu aussi le vendre ici tout de suite quand votre transaction a montré que ça l'avortait là, par rapport à votre prix d'achat. Ça aurait été probablement le mouvement à faire. Il ne faut pas se dire parce que le marché rebondissait que ça allait automatiquement dégonfler comme hier. Mais donc, parce que là, en fin de compte, si on a une entente en Grèce, puis on rebondit encore lundi, là, vous, votre VIX, il va vraiment chuter fort. Donc, ouais, maximum, là, 9,8,90 $, ça serait votre point de sortie sur TVIX. Achetez AXY à 40 sous. AXY, ben, si vous l'avez acheté ici, moi, je sortirai à 40 sous aussi. Si vous l'aviez acheté avant cette cote-là, vous auriez dû prendre un profit ici. S'il retourne à 45 sous, je prendrai un profit. Moi, je sortirai au prix payé sur Altera Power. CXV acheté à 71 sous. Je voudrais savoir si vous pensez que c'est un titre qui va remonter. Ben, je connais pas la compagnie, là. Aucunement. Il est rendu à 20, OK, il est rendu à 25 sous. Vous l'avez acheté à 71 sous. Je sais pas quand vous l'avez acheté. Parce que ça, j'ai pas ça, le 71 sous. Donc, c'est soit avant ou soit qu'il y a eu une consolidation par la suite. Là, c'est difficile à évaluer. J'ai pas vraiment d'explication. J'ai rien à vous dire sur ce titre-là. Parce que, en fin de compte, ça dépend quand vous l'avez acheté. Il manque de détails. MTO, 40 000, que faire? Ben, j'ai pas votre prix, donc je sais pas quoi faire. HGU, 10 000, 1000 à 4,93 $. Bien, ça fait longtemps qu'on donne une opinion négative sur l'or. Vous êtes à 4,87 $. Avec ce qui se passe en Grèce, puis même avec ce qui ne se passe pas en Grèce, là, il va y avoir une hausse de taux, que ce ne soit pas en septembre, ça va être dans l'année, ça va nuire à l'or. Les titres orifères, le prix de l'or ne rebondit pas. Moi, je sortirais d'AGU à 4,87 $. Je perdrais 5 sous plutôt qu'attendre... encore plus bas à 4,31 $. Pensez-vous que le secteur orifère et pétrole a fini sa chute? Le secteur orifère, je ne penserais pas. Le secteur énergie, c'est vraiment difficile à dire. Il y a le plus gros problème pour le pétrole, c'est la croissance mondiale qui a encore été abaissée par le FMI hier. Ça va prendre la Chine. On va le savoir mardi si la Chine, sa croissance est affectée par la performance de sa bourse. Ça peut être une bonne idée. Puis peut-être que les commentaires aussi de Janet Yellen vont aider le pétrole à midi, là, parce que si elle dit que l'économie est forte, tout, mais ça, c'est positif pour le pétrole. C'est ce que je vous dirais, là, mais aussi, le pétrole, on disait que ça chutait cette semaine à cause qu'il pouvait avoir une entente avec l'Iran. La date limite est finie pour l'entente, c'est aussi pour ça que le pétrole baissait. Mais quand on regarde notre graphique là, de USO, pour l'instant... Je pense qu'il y a des chances qu'on retourne tester encore un peu plus bas le pétrole, mais ça se peut qu'on rebondisse puis qu'on revienne aux 21 $.
c'est assez difficile à évaluer. Mais en ce moment, le plus gros problème, c'est que l'offre est plus élevée que la demande sur le pétrole. Puis que les compagnies comme aux États-Unis continuent à produire à des rythmes plus lents. Donc, l'offre, elle augmente sur le marché, puis la demande apprend pas de forme. Il n'y a pas plus de force sur la demande depuis plusieurs mois. PLI à 2,35 $. Je n'ai pas votre date d'achat, il est à 2,12 $. PLI, là, c'est, ça se peut qu'à 2 $, il rebondisse encore à ces niveaux-là. Donc, on est quand même dans un couloir baissier. Là, ça, il faut être conscient de ça sur PLI. En ce moment, on est entre les deux. Vous pouvez comme rien faire tant je pense qu'on ne brise pas les 2 $. Puis, à la hausse, j'en achèterai pas tant qu'on n'inverse pas non plus notre couloir baissier sur PLI. Si vous l'avez pas acheté ici parce qu'on n'a pas touché, on a touché 2,35 $ sommet. Si c'était ici, ben, vous auriez pu vendre ici à ce moment-là. Puis ça, c'était vraiment plus un gros rebond où on sauvait les meubles qu'un point d'entrée. C'est difficile, PLI. Il est survendu pour l'instant. C'est peut-être un point positif, là. S'il rebondit, tant mieux. Mais je pense que vous ne pouvez pas vendre tant qu'il n'est pas passé 2,12 $ à cause de ce qui est arrivé les deux autres fois. Puis quand on voit que ce support-là de 2,12 $ là, peut quand même continuer dans le temps. Analyser PHM hier et ce matin, achat 1,25 $. Mais vous l'avez acheté sur faiblesse. Ça veut dire que ben, quand on achète sur faiblesse, là, pour moi, il faut connaître l'entreprise. Par connaître, là, c'est avoir une bonne idée de ses résultats financiers. C'est quoi ses avantages? Moi, sur faiblesse, j'achète des grosses compagnies qui vont verser des dividendes et qui vont avoir des revenus récurrents. On parle aux banques, on parle des gros chemins de fer, des assurances. Aux États-Unis, on pourrait parler des grosses compagnies consommation de base, des titres comme Apple, des titres comme Couche-Tard au Canada ou des titres d'épicier. C'est des titres qui sont pas qui sont pas risqués. Patient Home Monitoring sur croissance, d'après moi, c'est un titre risqué. Moi, j'hésiterais pas à prendre un profit. Puis si vous voyez que ça dégonfle, vous devriez peut-être revendre à votre prix payé puis pas perdre d'argent avec ça. C'est la fin de l'émission. On va juste prendre une petite minute de plus. Là. Demain, la semaine prochaine, c'est vraiment le début des gros résultats financiers. Ça commence mardi matin avec Johnson & Johnson, JP Morgan, Wells Fargo. On a aussi l'annonce de la Banque du Canada mercredi. Ça va quand même être intéressant de savoir si on va baisser le taux d'un autre 25 points de base ou non. Cette fois-ci, je suis incapable de vous le dire. Si, d'après moi, ça devrait être inchangé parce que je suis pas sûr qu'une baisse de taux, ça va donner assez de compétitivité à l'économie canadienne, puis ça va surtout nuire au dollar canadien. Donc, je le garderai inchangé à 0.75, mais ça va être intéressant à suivre le verdict de Stephen Pollard mercredi. On va revenir sur les autres résultats financiers, mais c'est les banques la semaine prochaine aux États-Unis. Je vous souhaite un excellent week-end. On se revoit lundi matin à 11h30 dans le feu de l'action.